pas ce que je cherche. Non, ça mènera nulle part. Bon, je crois que je vais devoir aller au cimetière. De nuit. Super. Je crois bien que j'ai déjà vu une colline émergeant des eaux. Peut-être cette île rocheuse. Ça me dit pas grand-chose. Bon, je dois trouver un endroit qui surplombe la mer. Le phare? Un puits au souhait dans une grotte cachée mais en pleine vue. Clair comme de l'eau de roche. Ça sert à rien.
J'ai un cadeau pour toi, Jazir. Incroyable! Tu l'as retrouvé! Ça n'a pas été simple. Et puis, s'il était si important à tes yeux, comment t'as pu laisser Adam te le prendre? Ah, c'est une longue histoire. Et je n'en suis pas très fier. Disons que j'ai manqué de jugeote une fois. Mais le revoici. Merci. Allez, Jazir, faut me lâcher le morceau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je préférerais ne pas en parler. Ça doit pas être si terrible. C'était quoi, un pari? Est-ce que ça impliquait une femme? Ah, une femme. Et un poulet. Un poulet? C'était il y a 5 ans. La mère d'Esgui était partie depuis 18 mois. Je me sentais seul. Et il y avait une veuve au village qui aimait les poulets. C'est-à-dire à la broche? Non, comme animaux de compagnie. Et Adam avait ce coq magnifique. Et il aimait jouer aux cartes. Attends, tu me dis que tu as perdu le sabre de ton grand-père dans une partie de cartes pour un poulet? Il me semble t'avoir dit que je n'étais pas fier de tout ça. Et alors, comment ça s'est passé avec la veuve? D'après toi, Adam a eu les deux, le coq et le sabre de mon grand-père. Puis la veuve l'a épousé.